of trial. I feel so tired and so alone, but now there's a fire. Bonjour, c'est Pascal. Rouge. Alors aujourd'hui, je vous fais une démo sur le dernier nid, le quatrième des Manubot. Le Manubot qui se joue sous les carrés, enfin, qui joue sous les carrés. Pourquoi les carrés? Ben, simplement parce que vous avez été nombreux à me demander une méthode sous les carrés. Donc, le temps de mettre quelque chose au point, d'être sûr que ça fonctionne. Voilà, le produit est là, il fonctionne. Les jeux sont faits. Je vous fais une petite démo, comme d'hab. Bon, ça va pas durer trois plombes, hein, c'est aucun intérêt. Donc comme d'habitude, hein. Alors, pour l'instant celui-ci il n'est pas éligible je dirais au module automatique, puisque je ne sais pas si on va me demander des modules automatiques pour celui-ci. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'option automatique. Faites vos jeux. Si c'est demandé, ben, je ferai, voilà, tout simplement. Que j'ai décidé de ne plus faire d'avance des choses qui ne seront pas vendues ou louées, ça sert à rien. Rien ne va plus. Si je travaille pour rien, donc j'optimise mon temps, je fais comme tout le monde. Donc si on demande des modules pour ce Manubot sous les carrés, et ben ce Manubot sera rendu compatible avec le module. Ne sachant pas d'avance si ce sera demandé, je ne le fais pas. Donc petite démo, là je vais vous faire deux parties, je sais pas, parce que c'est quand même relativement long, je dirais. Donc on va attendre que ça se décante et que ça se déclenche. Donc on peut jouer de 3 à 5 carrés. On peut jouer de 3 à 5 carrés. Les jeux sont faits. On peut jouer de 3 à 5 carrés seulement. Et là j'ai choisi 4 carrés avec un écart de 2. Noir. Faites vos jeux. Donc pour l'instant, rien ne va plus. Le numéro est tombé entre temps. Donc je vais passer en écart de 1. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Donc pour l'instant, pas de carré en vue. Les jeux sont faits. Après, si ça tombe toujours, comme j'expliquais à chaque fois dans toutes les méthodes, de toute façon, si ça tombe avant l'écart, bon, on diminue l'écart. Juste de temps en temps, même à jouer écart 0, ça dépend où on se trouve au niveau de la roulette. Hein, puisqu'une méthode, on ne peut pas la jouer tout le temps pareil. C'est d'où les écarts réglables que je mets. Hein. 25, rouge. Si tout le temps la méthode se jouerait, je sais pas, écart 0 ou écart 3, et que ça marche tout le temps, ce serait fabuleux, hein, on n'aurait pas rien à régler, on laisserait tourner toute la journée, comme je dis, on serait tous millionnaires. Hein. Rien enfin, ça m'étonnerait, les casinos auraient déjà trouvé quelque chose. Donc on a déjà 4 carrés à jouer. Les jeux sont faits. Un écart de 1, donc on va attendre. Hein. Il suffirait pour le casino de changer les règles du jeu, hein, sur les mises max, des choses comme ça, et voilà, point barre, hein, comme ils font pour les montantes. Hein. Faites vos jeux. Alors, premier tour, carré du 0, carré du 1, carré du 7, rien ne va plus. Carré du 26, carré du 26, c'est le 26 rang, carré du 7, les jeux 7, sont 11, faits. Carré du 2, ça va être le 1, 5. Mise acceptée. Carré du 1, pardon. Carré du 2, ce serait le 2-6. Carré du 11, ce serait le 11-15. Carré du 17, ce serait 17-21. Carré du 16, c'est le 16-20. 29, voilà. Noir. On gagne au premier tour. Gagné. C'est pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Heureusement, pour notre bonheur. Hein. Donc je répète, les réglages, toujours pareil. Rien n'a changé à ce niveau-là.
Alors, en manuel, vous réglez simplement la valeur de la première pièce. Ici, c'est 20 Les centimes. jeux sont faits. Simplement pour avoir la vraie valeur du gain à perte et la montante. Hein. Enfin, la montante, de toute façon, est calculée en pièces, donc ça ne change rien. Quand on vous dit 3 pièces, si vous avez mis des pièces de 10, si c'est des pièces de 10, faut mettre 30 centimes. Si c'est des pièces de 20, on met 60 centimes. Puisque là, on vous indique en nombre de pièces. Ainsi qu'ici, je vous donne, les calculs sont donnés en pièces et non pas en valeur. Donc, une pièce, 3, deux pièces, rouge. Une pièce, deux pièces, quatre pièces, sept pièces. Ça vaut à te faire un rapide calcul mental. Si je joue à 50 centimes, si on me dit 7 pièces ici, cette fois 5,35, je vais m'arranger pour prendre la pièce de 1, la mettre 3 fois et mettre 50 centimes dessus pour faire 3,50 € par carré. Là. Les jeux sont faits. Alors là, on est sur la roulette VIP, hein, sur le casino du Blainvette, oui. Donc la roulette à VIP, il y a 3 roulettes. Il y a la partage avec le tapis en diagonale, que je n'aime pas. Faites vos jeux. Et les tapis à l'horizontale, comme ici. La roulette à 10 centimes, la bleue, comme je vais vous montrer dans une autre vidéo. Et la roulette VIP qui est ici. Alors la VIP, simplement parce que les mises max sur les plats sont beaucoup plus importantes. Alors, si vous avez une très bonne balance, vous pouvez aller très loin sur le tapis. D'où le nom de VIP. Généralement, les VIP dans les casinos, c'est ceux qui dépensent beaucoup d'argent. Ceux-là sont gâtés. On les cajole. 21, rouge. Faites vos jeux. Encore pas d'opportunité, on va attendre. Voilà, donc on en attend sur l'écart. On a un petit écart de 1, on va voir. Carré du 22. Carré du 31. Rien ne va plus. Carré du 2. Les jeux sont faits. Rouge. Faites vos jeux. Toujours une pièce, donc je fais répète. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Mise acceptée. Le 30. 30, rouge. Deux pièces. Faites vos jeux. Une et deux. C'est simple, hein, manuellement, quand même. Rien ne va plus. Mise acceptée. Alors, les carrés de 3 à 5, on peut choisir. Hein. Voilà, j'ai une coupure avec mon dicam, forcément. Les jeux sont faits. C'est 10 minutes là-dessus, pas plus. Mise acceptée. Quoi, je ferais reprendre Camtasia, là, en fait. Enfin, peu importe. Donc, j'ai donc doublé. On est au tour 4. Il me dit 4 pièces. 4 pièces de 20, ça fait bien 80 centimes. 0, 2 fois 0. Comme par hasard. Alors, 7 pièces, c'est 1,40 €. Rien ne va plus. Une de trop. Les jeux sont faits. Ah, j'ai pas eu le temps pour le dernier. Ah, c'est de ma faute. Autrement, on a largement le temps, quoi. Voilà, il y a un sur le 26. Ça va, c'est pas où, c'est pour y manquer la paix, c'était bien. Donc voilà. 26, bon, on va pas en faire 150. Donc là, c'est des pièces de 20 centimes. Bon, la démo tient simplement sur la méthode en elle-même. Hein. Après, il y en a certains qui jouent, quand ils ont gagné une pièce, ils arrêtent de jouer. Bon, après, c'est sûr que c'est facile comme ça. Hein.
Donc vous pouvez pareil, hein, jouer même des 50 centimes. Alors c'est pareil, si vous avez une balance, c'est toujours la même histoire. Hein. La balance, si vous avez une balance de 50 balles, de 100 balles, peut-être pas aller trop loin. Mais sinon, je referai certainement une démo avec des 1 euro. Hein, vous verrez, c'est vraiment pas un problème. Alors c'est basé un peu sur la méthode Manubot. Rien ne va plus. Que j'ai quelque peu modifié quand même. J'en ai tiré une méthode d'écarie là-dessus qui marche vraiment bien. Ça fait une paire de jours que je la teste avant de vous la présenter. Elle marche vraiment bien. Voilà, donc c'est le quatrième Manubot qui sera sur le site. Pareil, au même tarif, hein, y a pas de, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc l'équipe des Manubot est toujours à 47 euros. Le produit, pas les 4 bien sûr. Noir. Je dis ça pour les petits malins qui jouent sous les mots, il y en a toujours, ça me fait rire. Enfin. Voilà, bah écoutez, j'espère que la démo vous aura convaincu. Et puis si vous avez besoin de renseignements, bah, vous connaissez mon mail, il n'y a pas de souci, même mon téléphone. Voilà, merci, à bientôt. Rien ne va plus.